Du projet, la position de l'architecte de France sur cette construction. De l'architecte de France. La position de l'architecte de France. Après, on s'amènera le micro. Oui. Moi, c'est Adrien Ledunois, donc je suis chevrier sur la commune de La Souche. Et donc là, je suis membre et représentant donc, de la Confédération Paysanne. Donc, la Confédération Paysanne est aussi énormément portée donc, sur le côté donc, défense des terres agricoles. Donc, il y a le côté environnemental, il y a le côté défense des terres agricoles qui n'est pas incompatible. Parce que c'est aussi donc, plusieurs hectares de terres qui vont être bétonnés. Donc avec donc, des points de non-retour, une fois que c'est bétonné, ben, on ne peut plus rien cultiver ou faire pâturer dessus. Et donc voilà, donc, la Confédération Paysanne est bien sûr depuis le début donc, mobilisée sur contre ce projet. Et du coup, une information donc, qui va rejoindre aussi et revenir sur l'intervention donc, de Fred. La Confédération Paysanne a déposé une motion à la Chambre, d'agriculture de l'Ardèche. Donc cette session en Chambre d'agriculture va avoir lieu vers le 24 ou 25, fin septembre. Et du coup, qui va obliger clairement la Chambre d'agriculture à se positionner sur ce projet, quoi. Donc la Confédération Paysanne a déposé une motion qui demande donc la suspension et l'abandon du projet, et donc si cette motion est adoptée par la Chambre d'agriculture, et ben ça veut dire que la Chambre d'agriculture se positionne contre ce projet. Et voilà. Donc c'était l'info donc, que je voulais faire passer ce soir. Voilà. Okay. Et du coup, c'est ces sessions Chambre d'agriculture, juste pour expliquer rapidement ce que c'est, donc c'est le. Donc il y a des élus, de la profession, des salariés à l'école et tout, et il y a aussi beaucoup, il y a des élus. Donc c'est aussi une manière donc, de faire passer le message aussi auprès des élus. Des fois la préfète est là, donc si elle est là, elle aura aussi en plus ce son de cloche là. Donc voilà. Bonsoir. J'aimerais connaître la position de l'architecte de France sur la construction de cette basilique. Alors, c'est l'architecte des bâtiments de France, qui effectivement dépend aussi de l'État. Il n'était pas nécessaire qu'il soit consulté sur ce projet parce que ce projet n'intervenait pas dans une zone nécessaire à son avis. Par contre, donc, dans le permis de construire, il dit que son avis n'est pas nécessaire et sa position son autorisation ou ses réserves ne sont pas nécessaires pour ce projet. Par contre, à la réunion du 16 juin, où il était présent, quand la préfète a sollicité son intervention pour un peu justifier ce qu'il en pensait, effectivement, au-delà de l'avis qui n'était pas nécessaire pour ce permis, il a parlé, je le cite, que ce projet était un événement urbain. Un événement urbain dans une vallée et dans un territoire rural, dans une architecture, on peut dire néo-sulpicienne, post-gothique, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, c'est un avis esthétique, hein. Chacun comprendra comme il veut. Mais en tout cas, il a simplement dit que c'était un événement urbain et que voilà, c'était tout. Mais en tout cas, officiellement, son avis n'était pas nécessaire pour ce projet. Bonjour. J'interviens pour le mouvement Ensemble. Donc merci à vous tous pour toutes les informations qui se complètent, qui éclairent les différents soucis, gros soucis que pose ce projet. Nous aurions eu envie de souligner un des aspects, ça n'a eu évidemment pas tous ceux dont vous avez parlé, qui sont notre inquiétude par rapport à l'implantation sur fonds publics, en partie, quoi, vu ce qui peut être expliqué sur la manière dont ce projet va être financé, avec les 60, 66%, etc. Deux congrégations
qualifié, il me semble, de sectaire et d'intégriste, ce qui n'est pas rien, puisque quand on va sur leur site, de lien en lien, etc., on tombe assez vite, assez facilement, sur des propos qui sont d'ordre raciste, homophobe, sexiste et largement même plus dur que ça par rapport à la contestation des droits des femmes. Donc il est effectivement très inquiétant de voir que des organismes, des structures de ce type puissent s'implanter et prendre possession d'une commune. Voilà, donc ça nous interroge politiquement sur effectivement quels sont les actuellement quelles sont nos possibilités de résistance à des choses qui sont profondément antidémocratiques et qui nous font revenir en arrière, et on l'espère ne pas vivre des heures très sombres par la suite. Merci. Surtout avec des financements publics. Bonsoir. Ah non, mais c'est financement public. Moi, je voudrais juste intervenir par rapport à un certain nombre de politiques qui se cachent derrière le fait que un sujet n'est pas de leur compétence. Même si l'attribution de permis de construire n'est pas la compétence directe du maire, le maire, le conseil municipal peuvent être amenés à donner un avis. Et au cas particulier, quand même, je trouve assez gênant de voir que beaucoup d'élus se cachent derrière cette absence de compétences officielles et qu'ils oublient qu'ils sont représentants donc, de population et de territoire. Et qu'à ce niveau-là, donc, on ne peut pas être innocent, on ne peut pas s'abstenir de donner un avis. Alors, tel a été. Alors, moi, j'incite. J'incite donc les gens à intervenir auprès des élus pour justement leur demander de se positionner sur ce sujet-là. C'est ce que les élus Bals en commun ont fait lors d'un conseil municipal. Et le maire, effectivement, à son habitude, a répondu « Oh, mais de toute façon, c'est de la responsabilité de l'État. » Alors, lui qui passe son temps à taper sur l'État, là, au cas particulier, l'État était tout à fait intéressant parce que ça lui permettait de se dédouaner. Donc, je crois que, par ailleurs, la méthode... Moi, je suis un ancien élu, hein, donc j'ai passé le flambeau, entre guillemets. Mais quand même, sa méthode a été assez particulière, puisqu'il a fait un vote bloqué. Il a demandé à l'ensemble de sa majorité de voter contre la motion présentée par Bals en commun. Donc c'est quand même quelque chose qui devient grave au niveau de la démocratie, au niveau de la représentativité. Je pense qu'il pouvait noyer le poisson, comme il a l'habitude de faire. Hein. Mais là, il ne l'a pas fait. Voilà, merci. C'est bon, oui. Donc je me présente, je suis Gilles Dose, je suis maire de la commune Vallée d'Entraille-Esperjoc. Donc il y a des élus qui prennent position. Pour la suite, je représente ici ce soir la section du Parti Socialiste de Benaval-Centraille, dont tous les adhérents, bien entendu, voté le soutien à toutes les actions qui ont été entreprises par les amis de la Bourge. Mais bon, l'essentiel n'est pas là. Donc moi je voudrais remercier d'abord tout ce qui a été fait par les amis de la Bourge. Ils ont beaucoup de courage et ils ont réussi déjà à entraîner beaucoup de monde dans leur contestation de ce projet néfaste. Mais comme le disait tout à l'heure François Jacquard, ce projet, ce dossier n'est pas un dossier seulement local. Je pense qu'il y a des possibilités de faire revenir en arrière les représentants de l'État par rapport au fameux permis de construire qui, semble-t-il, a été accordé, si l'on parvient, ça s'est déjà fait ailleurs, d'ailleurs dans d'autres mobilisations, à créer un rapport de force local, départemental, régional et national suffisant pour faire en sorte que ce permis de construire soit, je dirais, mis à la bannière une bonne fois pour toutes. Et comme le disait François Jacquard tout à l'heure, ça va être maintenant de la responsabilité d'un certain nombre de ministres.
parce que ce problème-là, maintenant, c'est un problème national. Moi, ce qui me heurte le plus, voyez-vous, dans cette affaire, outre les aspects environnementaux, qu'on ne peut pas nier, puisqu'ils ont été largement développés et exposés ce soir, c'est l'aspect concernant la démocratie locale. Monsieur disait tout à l'heure, en tant qu'ancien élu, qu'il ne comprenait pas la position des élus. Tout simplement, je pense qu'il faudrait que mon collègue, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier, revoie un peu ses classiques et se replonge dans le Code général des collectivités territoriales, puisque, ce que je sache, c'est que le maire, c'est à la fois, bien entendu, le chef de l'exécutif communal, puisqu'il est élu par les conseillers municipaux, mais c'est aussi le représentant de l'État dans la commune. C'est une notion fondamentale qu'on a tendance à oublier. Le maire, en tant que représentant de l'État dans la commune, a pouvoir de faire appliquer toutes les formes de lois qui existent dans cette République, les lois concernant l'environnement, les lois concernant l'urbanisme, les lois concernant la santé publique, dans sa commune. Donc, là, il y a un vrai sujet de compétence. Le maire, je m'excuse un peu à son égard, parce que c'est pas que charitable qu'un élu tacle un autre élu. Hein. C'est peut-être pas très républicain, mais enfin, là, on est dans une telle situation que c'est difficile de faire autrement. Hein. Donc, je pense là que, du côté des élus locaux, il y a eu une carence néfaste, mais il y a aussi eu, quand même, il faut le reconnaître, aussi une carence aussi des citoyens de la commune qui ont laissé faire depuis longtemps. Il ne faut pas exonérer tout le monde, les citoyens de la commune, de leur responsabilité dans cette affaire. C'est une affaire, cette congrégation, elle est quand même installée depuis 1246, je viens d'apprendre ça tout à l'heure. Bon, ce n'est pas quand même des nouveaux-nés. Et progressivement, ils se sont emparés du pouvoir communal. Ils ont fait une véritable OPA sur l'institution communale. Et là, de ce point de vue, il y a une véritable infraction, je dirais, à la loi de 1905, parce que la loi de 1905, elle a été savamment rappelée tout à l'heure par le représentant de la libre pensée, et dicte de manière très claire que la religion, c'est une affaire personnelle qui doit concerner la sphère personnelle, qui ne doit pas concerner la sphère publique. Et ce principe, la séparation de l'Église et de l'État, puisque c'est ainsi qu'il est formulé, c'est un principe quasi-constitutionnel. Donc il faudrait peut-être regarder de ce côté-là aussi s'il n'y a pas des choses à dire et des choses à faire. Me semble-t-il. Je pense très sincèrement qu'il y a des chances quand même que ce dossier aboutisse favorablement pour les amis de la Bourge. Et j'invite tous ceux qui sont présents ici, les organisations, les partis politiques, les organisations syndicales, etc., de rester très très unis dans cette affaire, à faire fi de leurs différences, quelle que soit la nature de ces différences, pour que ce dossier, qui est un dossier emblématique pour notre territoire, puisse aboutir dans le sens que l'on souhaite. Parce que moi, il ne faudrait pas que la commune de Saint-Pierre-Colombier, qui est devenue de facto un cluster sectaire, hein, qu'on fasse en sorte, par faute de vigilance les uns et les autres, que le virus implanté à Saint-Pierre-Colombier se répande à d'autres communes. C'est pour ça aussi qu'il faut que les élus locaux soient extrêmement vigilants sur ce qui se passe dans leur commune, sur ces sujets-là. Voilà simplement ce que j'avais à vous dire, et puis je souhaite beaucoup de courage Bonjour, je vais être le vilain petit canard de la soirée, car je suis membre du collectif Pour notre vallée la Bourge, qui est le collectif qui défend ardemment le projet. Voilà, donc je pense que je suis quasiment le seul ici. Et aussi élu municipal, monsieur. Et pardon, aussi élu municipal, oui, conseiller municipal aussi. Monsieur le maire d'Asperjoc, j'écoute attentivement. S'il vous plaît. Voilà. On n'utilise pas les méthodes des autres ici, c'est la démocratie. Merci. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en remercie et je suis très, très touché par le fait que vous me laissez la parole. Donc je pense effectivement que dans le cadre de cette réunion publique, vous puissiez entendre une voix différente. Et rassurez-vous, je ne serai pas très long. Comme ça a été dit par un des intervenants, tout, ou quasiment tout, est écrit sur notre site. Donc vous pouvez y aller, pour notre vallée de la Bourge, vous verrez, il y a des choses qui sont écrites, qui ne vous plairont probablement pas, en tout cas du moins aux organisateurs de cette réunion. Mais on essaie de remettre en place certaines vérités, car de notre point de vue, trop de mensonges, trop de contre-vérités, il y a une différence entre mensonges et contre-vérités, et trop d'approximations ont été dites sur ce sujet depuis maintenant plus d'un an. Notre collectif, on l'a créé
cet été, suite à la, ce que vous appelez la ZAD, qui pour nous a été une occupation illégale de terrain privé. Ça ne s'est pas fait de façon pacifique, contrairement à ce qui a été dit. Mettez-vous à la place d'un propriétaire terrien ou de quelqu'un qui possède une résidence ou un jardin, voir arriver des personnes non autorisées chez soi, ce n'est jamais très agréable. Voilà. Donc effectivement, c'est un chantier, mais le chantier est un terrain privé. Il n'y a pas eu de violence. S'il vous plaît. Voilà. Alors exactement, on peut parler du fond. Et donc, voilà, tout à fait. Et justement, au niveau du fond, quelque chose a été oublié dans cette soirée, et c'est essentiellement la raison pour laquelle j'interviens, c'est le volet économique. À aucun moment, et je vous ai écouté avec attention, à aucun moment, et monsieur le conseiller régional, je le regrette de votre part, d'autant que vous êtes... vous représentez qu'un parti qui se bat pour les travailleurs, à aucun moment on a parlé d'économie et d'impact économique. Je regrette là aussi... de façon très évasive. Et je regrette, en lisant le tract qui nous a été remis pour ma part par des Gilets jaunes à Aubenas samedi, je regrette fortement que des syndicats comme la CGT et FO soient signataires de cet appel à cette réunion publique, tout simplement parce que les syndicats, pour moi, représentent les travailleurs. C'est la démocratie. S'il vous plaît, vous laissez finir de parler, vous aurez le droit de répondre après. Merci. Et les syndicats devraient défendre l'emploi, l'activité économique. Ce chantier, voilà, quel emploi? Ce chantier, vous l'avez dit, il est pharaonique de votre point de vue. Moi, je dirais que c'est un grand chantier. Appelez le pharaonique si vous voulez, peu importe. C'est un grand chantier, c'est une réalité et c'est un chantier coûteux. Chantier coûteux qui va amener des subsides considérables dans la région, essentiellement dans la vallée de la Bourge et de façon plus générale dans le département de l'Ardèche, les départements limitrophes et de façon générale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous connaissez le montant, si vous ne le connaissez pas, allez sur le site, vous le trouverez. Aujourd'hui, 61 entreprises, essentiellement du BTP, mais pas seulement, sont concernés directement ou indirectement par ce projet. Alors, monsieur le conseiller régional, vous inquiétez au sujet des artisans. Seront-ils payés? Votre inquiétude est légitime. Moi, je suis convaincu qu'ils seront payés. Mais je suis surtout extrêmement satisfait qu'un maître d'ouvrage, en l'occurrence cette horrible congrégation religieuse, si je vous écoute, messieurs de la libre pensée, ce maître d'ouvrage a à cœur de faire travailler des artisans de la vallée, des professionnels de la région, pour créer de l'emploi, créer une activité économique. Et les gaz de schiste nous ont dit la même chose. Eh bien, alors, c'est une très bonne question. Excusez-moi, monsieur, mais bien sûr. Vous faites une intervention et vous la faites brève. D'accord. Ou autrement, là vous allez... très bien. Vous allez avoir des... Je crois que le financement... Non, monsieur. Voilà, c'est tout. Il faut être raisonnable. Voilà, donc le fond, je termine avec le fond, donc le volet économique, je pense qu'il est fondamental, il n'a pas été évoqué ou pas suffisamment. Le volet écologique, pour moi, a été exprimé, mais je le conteste, et là aussi, allez sur le site et vous verrez pas mal de réponses aux questions qui ont été posées sur le limineur, sur... la destruction d'espèces protégées, etc., etc. Et j'insiste sur le fait que ce projet est légal. C'est contesté. Vous considérez que l'État a commis des défaillances. Nous considérons que l'État est professionnel et sérieux. Et si l'État a donné son accord à un projet religieux, c'est qu'on peut y aller. Parce que, contrairement à ce que vous dites, messieurs de la libre pensée, aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, l'État n'est pas spécialement... conciliant avec l'autorité religieuse ou les religions en particulier. Ça, c'est une autre réalité qu'il convient de signaler. Merci. Merci de m'avoir laissé la parole. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas qui c'est. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé derrière. Une dame, là. Derrière. Là, elle lève la main. Non. Derrière toi, là-bas. En bleu. S'il te plaît, Henri, au fond. Merci. Donc, je vais faire une articulation avec douloureuse avec ce que vient de
nous dire que cet intervenant, monsieur, excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom, je voulais connaître la position de l'évêché et éventuellement de Rome sur votre congrégation, puisque le responsable de votre congrégation à la Bastide sur j'habite la Bastide, excusez-moi, à Saint-Pierre-de-Colombier, vous n'y êtes pas encore et vous n'y serez probablement jamais. Donc, avait annoncé la venue de deux émissaires désignés par le pape, par le Vatican, pour faire un examen de l'ensemble de vos antennes, ou je ne sais pas le nom que vous leur donnez, sur, en France et en Italie. Donc, quelle est la position de l'évêché vis-à-vis de vous? Quelle est la position du Vatican? Secondement, donc ça ne s'adresse pas directement à vous, monsieur. Je voulais connaître la position des communes en amont et en aval de Saint-Pierre-de-Colombier relativement au prélèvement des ressources, notamment des ressources en eau, mais à la détérioration de la ressource en air par le trafic routier qui va régner pendant les festivités, je ne sais pas comment vous les appelez, religieuses. Voilà. Parce que 3500 pèlerins, c'est pas négatif ce que je veux dire pèlerins. Hein. 3500 pèlerins, il faut donc les transporter. Et la ressource, maintenant, sur le plan de la ressource en eau potable, donc a été évoqué le traitement des eaux grises et des eaux noires. Maintenant, 3500 personnes dans une vallée à un moment de bouleversement climatique qui va durer et où la ressource en eau peut se faire rare et est l'objet d'ailleurs d'arrêter préfectoraux pour en limiter l'usage. Ce projet est tout à fait étonnant, qu'il soit accepté sans évaluation de cette ressource. Notamment, donc je le répète, pour Saint-Pierre-de-Colombier, mais également pour les communes en aval et en amont. Je crois que c'est tout, parce que l'autre question elle a déjà été abordée. Je vous remercie pour votre réponse. Levez la main, s'il vous plaît, quand vous avez la parole. Il y en a deux, là. Moi, des retombées économiques prédites, ok, je veux bien y croire, parce qu'on est quand même sur ce sujet-là. Mais je voudrais savoir s'il y a une étude de benchmarking qui a été faite, si ces résultats ont été publiés. C'est très technique et économique, je m'adresse à monsieur. C'est une étude dans la région, de voir quelles sont les réelles possibilités concrètes. Donc c'est une estimation, ça reste une estimation, du retour économique positif. Potentiel. Pour ceux qui sont pour ou contre, je pense que là, la comparaison doit être faite. Mais c'est la question que le benchmarking aurait posée en comparaison d'autres endroits qui auraient vécu le même type de situation. Après, il y a la dame à côté. Non, Harry, s'il te plaît. J'ai pas fini. Bon, c'est pas ça. Bonsoir. Moi, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai autre chose parce que je vois. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je vois stop béton. Et donc, moi, j'habite à la ville de Dieu. Et on a un gros chantier. Et donc, ça s'appelle projet de centrale. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Projet de centrale d'enrobage à chaud au bitume à la ville de Dieu. Quand je vois que j'entends ce que vous dites là, et que nous, on est très près de la ville, on est à la ville de Dieu. Et qu'en plus de ça, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loin de la ville de Dieu, on a fait appel aux habitants pour arrêter ce projet et on n'a pas été bien soutenus. Alors je voulais savoir, je vous ai entendu, je vous ai entendu parler en sachant que vous parlez de l'Église. Alors j'aimerais savoir, en tant qu'écologiste,
parce que quand même, je pense que ça, c'est quand même plus grave, et que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez me dire, ça concerne beaucoup de monde. C'est pas la même chose, mais je pense que c'est des choses à dire. C'est lié, je pense que c'est lié à tout ça. Alors, lors de mon intervention tout à l'heure, qui a été brève, je parlais d'une vigilance sur notre territoire. Et comme je disais qu'il se passe aussi d'autres choses, c'était en filigrane, c'était ce projet voilà, auquel je pensais, usine de bitume. Donc il faut savoir que les membres du collectif des Amis de la Bourge se sont déplacés aux deux manifestations. Et évidemment, que je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser par contre, parce que là on est dans l'erreur. Il faut rester unis, il faut rester ensemble, il faut rester réactif. On est sur un territoire, il n'y a pas deux petites luttes, il n'y a pas deux hiérarchies, mais il faut y être, et être partout. Alors quand je vous entends parler... Et on avait d'ailleurs, lors du pique-nique du 8 août que nous avons organisé à Saint-Pierre-de-Colombier, accueilli, hébergé un stand d'information sur l'usine de bitumage. Et les étomanifs aussi. Et voilà. Alors, quand je vous entends parler d'Omer et de compagnie, moi je peux vous dire que nous, l'Omer, il ne nous entend pas. On est en train de monter une association, personne ne vient nous rejoindre. Et les élus, alors ils font ce qu'ils veulent. Alors, je pense qu'il y a du chemin à faire. C'est le début. C'est le début, on a commencé de la même façon. Et vraiment, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à lutter. Et je pense que bah, vous allez rallier, déjà rallier que ce soir, hein, vous allez rallier du monde. Je pense qu'on est concerné, tout le monde est concerné, mais il ne faut vraiment pas se décourager. Non. Avant que notre mouvement prenne cette ampleur, bah, ça a balbutié de la même façon. Et on y a passé du temps, beaucoup d'énergie. On s'y est engagé physiquement, moralement. Voilà, ça n'a pas été la promenade des bisounours. Mais il ne faut pas lâcher, ne lâchez pas, continuez, et surtout communiquer. Non, mais on communique, mais le problème, c'est que personne n'y vient, mais quand j'entends... Non, il... Mais si vous voulez, on peut se rencontrer pour en parler, et puis peut-être se donner un... Voilà, échanger, puis se... Mais c'est pas la peine, on commence... Suite. Non, pas maintenant. Pas maintenant, mais... Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, tout le monde est concerné. Mais votre appel est légitime et important. Et je pense que quand on pense aux enfants et tout à fait. Tout le monde. Tout à fait. Voilà, merci. Voilà, merci. Là, de ce côté, là-bas. Monsieur, dame, arrive là-bas. Bonjour, moi je suis habitant de Saint-Pierre-de-Colombier, j'y suis né, j'ai été élevé, j'y serais peut-être abattu, j'y suis revenu. Bon, je voudrais répondre, je vais répondre un peu indirectement à cette dame, et aussi à l'intervenant qui a dit, mais que fait la population? Écoutez, le maire actuel, il a été élu, pardon? Ça fait 20 ans qu'on se bat. Martine, tu as raison. Le maire a été élu en 2001, et on avait un maire avant, qui était très bon, sauf qu'il faisait respecter la loi de 1905 à cette communauté. Ça ne faisait pas son affaire, il a été balayé. Et dès 2001, il s'est créé une association dans le village. Et depuis 2001, nous avons écrit aux députés, certaines de gauche, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, je me souviens d'une lettre à Daniel Vaillant. Nous avons écrit des dizaines de lettres recommandées à la préfecture. Nous n'avons jamais eu de réponse. Voilà. Ce qui explique, bon, il ne faut jamais abandonner, heureusement, que les amis de la Bourge se sont réveillés. Mais nous, on était anéantis. En 2015, il y avait déjà un premier projet. Nous avons essayé, à une vingtaine, de le contester. Ça s'est terminé par une plainte du maire, qui a duré, l'instruction a duré 2 ans, on a eu 4 copains qui ont été mis en examen, et il a fallu se taire. Et pendant ce temps, il s'est montré un projet. Voilà la réalité. Donc. Alors, moi, les leçons, les habitants devraient
ben à ce moment, les habitants, ils font et ils continueront à Saint-Pierre-de-Colombier et bien au-delà. Oui, bonjour, moi je suis élue à Burgé avec Jean-Pierre, notre élu. Donc je vais répondre aux remarques sur la réaction des élus des communes limitrophes. Nous, on a répondu aux demandes des amis de la Bourge qui nous ont demandé de nous notre avis et notre point de vue et d'écrire pour arrêter les travaux et rapporter le calme pendant l'été dans la vallée. Donc l'ensemble du conseil municipal de Burgé, le maire compris, a écrit. On a interpellé les élus, puisqu'en ce moment tout le monde vient nous voir parce qu'on est nouveau. On n'a eu aucune réponse, on a eu une seule réponse, le dossier est bouclé, blindé, on n'y peut rien, on ne fera rien. Nous, à Burgé, on est inquiets parce qu'on sent que le village se divise à cause de ce projet. On est vigilants parce qu'on a bien conscience qu'il y a un problème écologique, économique et sociétal là-dessus, et politique. On ne lâchera pas. Maintenant, on est un petit peu dépassé et on n'a pas trop de droits là-dessus. Pour information, on veut modifier des captages d'eau pour les sources qui alimentent les villages. On est obligé de faire une enquête d'utilité publique. On fait une basilique à Saint-Pierre-de-Colombier, on ne fait pas d'enquête d'utilité publique. Eric. Je me présente, Éric Vigouroux, secrétaire général de la CGT Ardèche. Simplement pour répondre à l'intervenant, oui, la CGT, elle est attachée à l'emploi, mais elle est aussi attachée à la loi de 1905, elle est aussi attachée à la laïcité, elle est aussi attachée à l'environnement. Un projet comme ça, qui modifie complètement un paysage, qui remet en cause l'écologie, et qui, en termes d'emploi, ça reste quand même quelque chose de très temporaire. La CGT, elle a raison, et je pense que on sait, la plupart des camarades de la CGT d'Ardèche sont favorables à continuer la lutte contre ce projet. J'aimerais avoir votre réponse, je m'adresse à la Bourge, à propos de la réaction de l'évêché. Je sais qu'il y a eu des choses, mais c'est un peu brouillé de me souvenir. On peut repréciser le financement, là ? Vous répondez de suite ou après ? On n'a rien d'officiel. Tous les contacts qu'on a sont officieux et on préfère ne pas intervenir à ce niveau-là maintenant. Merci. Mais il est pas prêt. Oui, René. Oh, bonjour. René Morodo, j'interviens à plusieurs titres. Le premier, en tant que conseiller municipal, je fais suite aux propos de Desmoulins tout à l'heure, passe en commun. Nous avons donc déposé une motion qui, comme l'a dit Hervé, a été ouvertement rejetée par le maire, en craignant d'ailleurs qu'il y ait des dissensions au sein de sa majorité. Donc je passe là-dessus. Sur l'intervention concernant ce gouvernement qui serait contre les églises. Alors, moi justement, je reste sur le champ municipal. Je signale quand même que des communes financent grassement l'école privée et donc d'obédience chrétienne, entre autres, mais peu importe l'obédience, et que le fait qu'on ait rendu l'école obligatoire à partir de 3 ans, ça n'a pas renforcé la participation des élèves à partir de 3 ans à l'école, mais par contre, ça oblige les budgets municipaux à financer les écoles privées à partir de 3 ans, alors qu'avant c'était à partir de 6 ans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il a été évoqué, là j'interviens en tant que membre du comité consultatif des usagers
auprès de la Régie publique de Louvain-la-Sardèche et membre du conseil d'exploitation. Je pense qu'on a intérêt à se rapprocher pour que je porte prochainement auprès du CEBA cette question de l'usage de la ressource en eau et de la question du traitement des eaux usées. Troisième point, on a beaucoup de casquettes dans le militantisme, c'est au niveau, je prends la relève et je prolonge ce qu'a dit mon camarade Vigourou de la CGT Ardèche, sur la question du syndicalisme par rapport aux emplois et à l'économie. Je pense qu'à un moment donné, que dans un pays comme le nôtre, si on attend que ce soit les congrégations, alors qu'on laisse casser l'emploi aujourd'hui dans ce pays, et on attend des congrégations de relancer l'emploi. Il y a des investissements à faire dans ce pays, il y a de l'emploi pérenne à réaliser. Et par contre, sur le sujet propre de la basilique, des engagements ont été pris. Moi, je demande à ce que les organisations syndicales exigent, François Jacquard parlait des conséquences pécuniaires des errements de l'État. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les petits artisans et les salariés qui sont engagés sur ces contrats pris par la congrégation ne se retrouvent pas pénalisés et que l'État compense et assure, comme c'est dans le cadre de la pandémie, une prise en charge des salariés qui seraient touchés par les conséquences de cette gestion dramatique de En tous les cas, je suis Gilles, j'appartiens à la CNT, syndicat. J'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui, pour une fois, s'intéresse aux travailleurs. Pour une fois, on ne le voit jamais dans les manifestations, on ne le voit jamais nulle part, mais pour une fois, il s'intéresse aux travailleurs. Ça, c'est bizarre. Après, en tous les cas, nous, on soutient, et on soutiendra demain encore, contre des gens comme vous, tout ce qui a été fait pour pouvoir faire que cette vallée soit pourrie si vous jamais vous gagnez. Et ça, il faudra continuer à se battre. Il est vrai aussi, pour répondre à Maria, qu'il y avait aussi du monde qui était pour la ville de Dieu. Mais en même temps, il y a des combats qui sont à mener partout. Et c'est vrai, comme on l'a dit à la tribune, l'important c'est que tous ces gens qui se battent, aussi bien pour Saint-Pierre que pour la ville de Dieu, soient toujours dans les combats à mener. Parce que vous, au niveau économique, qu'est-ce que vous allez amener? Du travail pour qui? Très bien. Pour les travailleurs que vous foutez généralement de leur gueule à longueur de journée. Parce que vous intéressez à quoi? Quand on regarde vos manifestes, on voit quoi? La manifestation pour tous, ça veut dire qu'il se bat contre la dignité des femmes, qu'il se bat contre tout ça, et vous voulez qu'on vous soutienne? Vous allez avoir quoi là? Moi, je veux bien être démocrate, mais à un moment, il y a des gens pour lesquels on n'est pas dans le même milieu, on ne se bat pas de la même façon. Et en même temps, on ne se bat pas pour les mêmes choses. En tous les cas, moi, je me bats pour les travailleurs, on doit les respecter, et non pas de faire guider leur détermination par des gens comme vous. Excusez-moi, je voulais juste revenir justement sur le côté touristique de l'affaire, hein, ce qu'on nous présenterait donc comme une manne financière, si je comprends bien. L'arrivée de 3500 pèlerins, deux fois par an, mon Dieu, ce serait merveilleux pour la région. Bon, moi, je suis guide conférencière, donc bien sûr, je suis à la CGT chômeur, vu la situation économique, vous voyez, et je suis à la CGT, je sais pourquoi. Et juste la question, est-ce que vous savez combien de cars il faut pour transporter 3500 personnes? 70. Des cars de 50, hein, on va être... Parce que les routes sont petites. Si vous faites passer des 15 mètres, vous êtes balèze. D'accord? Il y a sur le projet, il n'y a que la dépose. Vous les garez où, vos cars? Dans quelle vallée? Dans quel autre village? Et qui va se supporter les allers-retours? On nous a engueulés partout, Balazuc, Vauquer, parce qu'on promenait les gens dans les villages, que ça dérangeait entre elles, n'est-ce pas, monsieur Doz, que ça dérangeait tout le monde et les habitants, quand on faisait travailler du monde pour faire visiter l'Ardèche. Et là, d'un seul coup, parce que c'est une congrégation religieuse, ce serait merveilleux pour l'économie locale. Vous vous foutez de la gueule, qui? Et où est-ce que vous allez garer ces cartes? Où est-ce que vous allez garer ces cartes? Ça, je n'ai pas vu. J'aimerais bien que vous le répondiez.
J'avais une demande. Parce que ça rentre à Montpezat peut-être, 70 cars, faites-moi marrer. Sur le Belvédère, non ? Mais oui, vas-y, après tu traîneras devant. Bonjour, j'habite temporairement Meyras. Est-ce qu'on pourrait avoir un rappel sur le financement de ce projet ? Merci. Crédit d'impôt. S'il vous plaît. Henri, c'est la providence. En fait, le financement de ce projet, c'est exclusivement des dons. Exclusivement des dons. Voilà, qui permet pour l'instant. La totalité n'a pas été réunie. On sait qu'il y a deux tranches de travaux qui sont prévues. Mais en tout cas, c'est aussi un risque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité sur le financement du projet. Sur un tel projet, on peut s'interroger sur le fait que l'État demande des garanties financières pour qu'un tel chantier ne dure pas, ne perdure pas, et que voilà. Mais parce que la Providence, elle a peut-être des voies à cacher, mais en tout cas, elle est censée connaître peut-être plus que nous. Mais en tout cas, sur les garanties financières que nous avons demandées au préfet et même à d'autres élus, dont le président de la communauté de communes, nous n'avons eu aucune réponse. Et en tout cas, voilà, ce sont des dons, mais la totalité n'est pas réunie aujourd'hui, a priori. Vas-y, fais la parole. Bonsoir. Tu parles bien. Bonsoir tout le monde, je voudrais faire une déclaration. Oui, bonsoir, je voudrais vous faire une déclaration. La Fédération de l'Ardèche, le Parti ouvrier indépendant. Le POI salue un rassemblement. Ce rassemblement soutiendra toute initiative unitaire pour empêcher définitivement la construction de cette basilique. Mais cette tentative délicate soulève une question. Qu'est-ce qui a permis, sous couvert d'une apparente égalité, d'en arriver à une telle situation ? Nous le savons, tous les gouvernements successifs de la Ve République se sont acharnés à détruire, entre autres, les structures du service public, garantissant l'indépendance et la neutralité de ses agents. Et l'existence de la DDE ou de la DDA aurait permis, dès le départ, d'empêcher le démarrage même des travaux pour incompatibilité avec la situation de l'ouvrage au sein d'un parc naturel régional. Or, dans le cas présent, il semble que les services de l'État aient fait preuve d'une certaine indulgence, voire d'une bienveillance certaine. En 1941 et 1942, cela a été rappelé, des lois ont été votées sous le régime de Vichy et aucun gouvernement n'a eu le courage ou la volonté de les abroger. D'autre part, il y a tout l'arsenal des lois adoptées sous la Ve République permettant à des associations culturelles de collecter des dons, avec des avantages fiscaux qui ne sont rien d'autre qu'un détournement de fonds publics. Voilà donc où se trouvent les points d'appui de cette opération anti-républicaine. Le Parti ouvrier indépendant qui combat le socialisme, la République et la démocratie se prononce pour le socialisme, se prononce pour le rétablissement de tous les services publics et pour l'abrogation de toutes les lois qui vont mettre en cause la séparation des Églises et de l'État, fondement de la République, et dans l'immédiat s'associe au combat uni pour mettre un terme définitif à ce projet de construction. Juste pour répondre à la dame tout à l'heure qui intervenait sur le vœu, combien ça va coûter, le financement. Si on en croit les promoteurs, c'est 18 milliards d'euros. Non. 18 milliards d'euros, pardon. Ça coûtera 12 millions à l'État, puisque les dons à la famille missionnaire de Notre-Dame, pour les particuliers, sont exonérés à la hauteur de 60%, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de 60% de déduction d'impôts, et les entreprises 66%. Donc ça sera un manque à gagner pour l'État de 12 milliards. 12 millions, pardon, avec 12 millions, on peut réaliser plein d'équipements, on peut maintenir des hôpitaux, créer des écoles, bâtir des logements sociaux, etc. Et tout ça est permis par toutes les lois anti-laïques qui ont été votées depuis Vichy et qui permettent justement que la loi de 1905 ne s'applique plus en intégralité. C'est pour ça que la libre-pensée, comme je le disais tout à l'heure, et je répète à ce monsieur, que la loi de 1905, c'est une loi de liberté. Parce qu'elle garantit la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte, elle garantit aux hommes de croire ou de ne pas croire. Seulement, la religion, c'est une affaire privée. Si vous voulez des églises, vous voulez payer en respectant les lois de l'environnement.
Une question pertinente a été posée tout à l'heure au monsieur qui représente le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Colombier par une dame du fond que je connais qui s'appelle Christine. Qu'en est-il de l'avis des autorités ecclésiastiques, enfin, hein, de l'Église, Vatican? Et j'aimerais que vous répondiez. Et je veux bien répondre, mais... Ah, je suis désolé, on n'est pas dans le débat comme ça. Oh non, au fond là-bas, le monsieur de Henri. Au fond là. Non, Henri. Henri. Si ça avait été une mosquée alors, c'est pareil, une mosquée, papa. Au fond là-bas. Si ça avait été une mosquée. Levez la main. Papa. Il arrive le micro. On est sûr, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a un mosquée dans mon. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'on préférerait une mosquée. Bah, parce qu'on est anti-religieux. Ça me dérange pas, hein. Oui, merci. Bah, tout simplement, Pierre Bourniquel, un citoyen comme un autre. Donc je suis très content d'être là et de pouvoir participer à vos débats. Alors, j'étais très intéressé par tout ce qui a été prévu, là, etc., etc. Par contre, j'ai un certain nombre de choses qui m'ont un peu alerté. Notamment le discours de ce monsieur, particulièrement calme. Le discours de la pensée, libre-pensée, particulièrement agressif. Si effectivement, au lieu qu'il s'agisse d'une institution catholique, on aurait tenu les propos de ensemble en disant c'est une secte, qu'auriez-vous dit? S'il vous plaît, en votre âme et conscience, qu'auriez-vous dit? S'il vous plaît, je ne vais pas m'énerver. Alors simplement, si vous voulez, je finis, je vous assure, j'en ai pour 3 minutes. Depuis le début, je sais qu'il y a des problèmes environnementaux et je les partage, c'est clair. L'écologie n'est pas votre seule propriété. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que depuis le début, il y a une croisière anti. Une croisade. Vous avez raison, allez-y. Voilà. Alors, je vous donne juste 2 ou 3 choses de ce que j'ai relevé dans la manifestation. Je peux finir. Est-ce que je peux finir? C'est la démocratie. Vous n'avez pas arrêté de le dire. C'est la démocratie, oui ou non? Alors, laissez-moi parler. Merci. Je peux passer à la main. Vous parlez. Laissez-moi 2 minutes. J'étais simplement aux manifestations qui ont eu lieu. Et j'ai vu ce qu'il y avait d'écrit sur les panneaux. Je vous en cite juste 2 ou 3. Je vous assure, je ne suis pas vindicatif. Eh bien, ça vous fait rire. Eh bien, tant mieux. Si un peu, vous avez envie de faire. Merci, monsieur le président, ou je ne sais pas. Alors, écoutez, voilà, c'est tout simple. On veut des crapauds, pas des cathos. Si moi j'avais dit, ou écrit, je le dis ou pas? On veut des crapauds, pas des négros. Qu'est-ce que vous auriez dit? Ah ben voilà. Pour finir, le plus beau panneau que j'ai jamais vu de toute ma vie. Vos mères auraient dû avorter. Voilà, merci. C'est parfait. Alors, juste, je ne suis pas président. Je suis simplement libre penseur et je fais respecter une règle. Pour moi, toute personne a le droit de penser et de s'exprimer librement. Même si vous pensez différemment de moi, je ferai tout pour que vous puissiez vous exprimer. Mais il faut en même temps respecter les règles dans lesquelles on est. Alors je vous demanderai un petit peu de respect pour la réunion publique dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce que je vais vous dire une chose, une réunion publique comme ça, sur Aubenas, c'est historique. Il n'y en a pas eu depuis des années et des années. Parce que mine de rien, ce projet-là, il a un avantage sur tous les autres. C'est qu'il fédère. Il fédère dans l'unité contre l'obscurantisme, parce qu'il s'agit de cela. Après, tout le monde prend le temps de ce qu'il veut et de l'exprimer. Voilà, je vous remercie et la parole à celui qui s'est fait demander. Bernard Faux, conseiller municipal à Abbesside-sur-Bézorque, juste à côté. Ben, je ne veux pas continuer là-dessus, mais simplement, vous rappelez-vous, il y a un aéroport il n'y a pas très longtemps,
Notre-Dame des Landes. Mais le projet est arrêté. Et quand on voit la crise que nous vivons en ce moment avec le problème des aéroports, heureusement qu'il a été arrêté. Arrêtons ces gros chantiers. Au même moment a été lancée la privatisation pour l'aéroport de Paris, ADP, où on en serait encore, et qu'est-ce que serait devenu cet argent si on avait continué dans cette plaisanterie? Arrêtons ces projets. Alors, 3500 pèlerins à Saint-Pierre-le-Colombier, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Aucun. Donc, à ce moment-là, regardons quelle mesure. L'eau, il n'y en a pas assez. On sait tous qu'on va avoir des problèmes d'eau. Ah ben là, on va rajouter une couche pour mettre 3500 personnes. Mais c'est pas possible. Il faut, à des moments, il faut garder quand même la tête sereine. Il y a des erreurs qui ont été commises. Eh ben, arrêtons les erreurs. Là, on dirait qu'il faut toujours continuer dans l'erreur. Il y a une erreur, et donc on arrête l'erreur. C'est tout. Merci. Alors moi, je suis juste un particulier qui est très responsable par rapport à l'écologie. Déjà, ça me touche beaucoup. Mais ce que je voudrais surtout, quand on parle des retombées économiques qu'il peut y avoir par rapport à ce projet, je voudrais rappeler quand même ce qui s'est passé avec les croisières sur le Rhône, qui étaient censées apporter de la manne à toutes les villes qui se trouvaient sur le parcours et où les pèlerins... les croisiéristes descendent. Et en fait, ces paquebots, ils ne rapportent rien du tout. Parce que déjà, ils n'apportent même pas d'argent à la CNR, c'est ça. Et en plus de ça, tout est sur place. Ils consomment tout. Là, par exemple, je vois qu'il va y avoir des habitats sur place, il va y avoir de la bouffe sur place. Ça ne va à rien apporter du tout, à part des emmerdes. Voilà. Après, s'il vous plaît, on va. Il est quasiment 21h là, on va pas y passer la nuit comme dit l'autre. Je donnerai après la parole aux amis de la Bourse parce qu'ils ont des manifestations à vous annoncer. Allez-y. Je voudrais demander à monsieur pourquoi la congrégation s'obstine dans ce projet alors qu'il y a pratiquement des églises à vendre. Il existe des églises dans le temps. En Belgique, il y a une église qui a été convertie en hôtel. À Maastricht, en Hollande, il y a une église qui est devenue une bouquinerie. Des églises où il n'y a plus de fidèles, etc., il y en a des tas. Pourquoi aller construire une basilique alors vous pourriez acheter une église existante? Il y en a déjà une de 600 places, hein. Voilà. Alors, je me présente, je suis Vincent, jeune militant et citoyen en colère, j'ai âgé de 20 ans. Et bon, si je suis là, c'est que je suis contre le projet. Mais je suis avant tout né en Ardèche. Fier de ce département qui à mes yeux est magnifique. C'est le plus beau, même plus beau que la Drôme. Je me demande maintenant si les gens qui sont pour ce projet sont vraiment des choix, sont vraiment fiers de ce territoire, parce que s'ils étaient fiers de ce territoire, vous n'avez pas envie de le gâcher, avec des constructions si moches, merdiques, immenses comme celle-ci, comme pour le projet de l'usine d'enrobage, comme tout autre projet, le gaz de schiste, c'est qu'il y a plusieurs années. Donc je continuerai en tant que citoyen du haut des 20 ans, pendant encore plus de 40 ans, à battre pour garder cette Ardèche aussi belle qu'elle est et telle qu'elle, que je veux qu'elle reste. Merci. Donc avant que je vais donner la parole aux amis de la Bourse pour terminer, désolé, on a... Je voulais poser la dernière question au monsieur. Vu qu'il nous a dit que ça allait engager de l'emploi, que ça allait amener de la vie autour de Saint-Pierre-de-Colombier, si on faisait un référendum sur la communauté des communes pour demander la vie aux gens s'ils ont envie d'avoir 40 ou 50 hectares, s'ils ont envie d'avoir une économie qui ressemblera peut-être à Lourdes un jour,
Voilà. Si vous êtes courageux, organisez ce référendum et puis on verra ce qu'il en ressort. Alors, sur ce, le débat est obligatoirement pas clos et c'est pas ce soir qu'on le clôturera. La seule chose que l'on pourra décider éventuellement ce soir, c'est de dire que demain, quel que soit ce qui soit annoncé entre autres par la préfecture sur l'arrêt des travaux, nous continuerons jusqu'au bout à nous battre, à combattre contre la construction de ce projet pharaonique. C'est clair, c'est comme ça, c'est les accords que nous avons entre nous et que nous continuerons. Je donne la parole aux amis de la Bourge et ensuite il y aura un petit. Nous vous donnons rendez-vous le 26, samedi le 26, au départ ça devait être un concert, mais bon, vu la situation sanitaire, on ne sait pas s'il va pouvoir aboutir, mais au moins pour une journée de partage, un marché d'artisans, un marché de producteurs, il y aura un peu de musique, il y aura au moins, de la chaleur humaine, du lien, de la discussion, comme ce soir. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de pouvoir avoir ces échanges, ça encourage. Vraiment, on vous remercie. Les amis de la Ville-Dieu, on se donne rendez-vous pour échanger et voir comment votre mouvement peut se construire, parce qu'effectivement, c'est important de lutter, de continuer. Et puis, je pense qu'on va terminer en musique. Voilà, avec le clip de Baptiste. Donc juste le 26 septembre, ça se passera sur la place du marché à Saint-Pierre-de-Colombier, à partir de 14h. Et le clip donc, on va vous passer, c'est Baptiste Dupré, un habitant de la vallée de la Bourge, habitant de Burzé, qui nous a offert la production de son clip. Et juste avant que ça débute, à la sortie, il y a un chapeau. Et avec une demande de l'ordre. Merci. Et puis il faudra ranger les chaises 10 par 10, s'il vous plaît. Ranger les chaises par 10 pour tout chant. C'est la même histoire, le même mécanisme s'enclenche et opère. Allez circuler, y a rien à voir, et laissez-nous faire nos petites affaires. Il a pris 100 000 visages, on connaît ses manières depuis tout ce temps. Expert en l'art du camouflage, c'est toujours pareil cette fois pourtant. C'est là, à portée de ma voix, derrière le champ de ronce, sa voix, la promesse des lois, voilà pourquoi je chante, et je petite marche en procession. Les yeux viennent de l'air passé dans le silence, il fait la possession. Des lieux, des dunes, des rivières, sur un tapis où je l'observe, j'avance dans un coin perdu, là-bas sur la terre, dans un coin perdu, que ma enfance, là, à portée de ma voix.
bon. J'aimerais connaître